The goods and the brands that at a glance could remind you of a pricey tag. Something generates a sense of exclusivity. It's how the luxury goods market works. This is the world's biggest luxury fashion group by revenue, Louis Vuitton Moët Hennessy, or LVMH, home to 75 brands which the company calls Maison. LVMH recorded revenue of 86.2 billion euros in 2023, another new peak for the luxury conglomerate. Across the company's business empire, sales in Asia, which includes China but not Japan, leads in market share. China is one of the biggest markets in the world, a market with more than 25,000 staff working for us, 1,800 stores, more than in France. Marc-Antoine Jamet is the general secretary of LVMH. If you are able to seduce the Chinese client, you will be able to convince the whole world. A lot of innovation starts in China. He made a comment on his fifth visit to China International Import Expo in Shanghai. Import Expo has become a sort of permanent universal exhibition. 10 times, 20 times, 30 times bigger than the Foire de Paris. No wonder the company's booth was under the spotlight on the first day of the expo open this year, having attracted plenty of visitors from home and abroad. But like the rest of the global retail sector, it's been under pressure by the slumping consumer spending this year. In 2020, 2021, the luxury goods market in China was performing really well, but now we see downturn pressure in global economic growth. How do you view China's market, or how do you position China market currently? Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va revenir à une situation de solidité qui permettra à nouveau au marché du luxe chinois de se développer. Et nous, nous sommes prêts. That readiness is being signaled at the expo. This time, LVMH brought 14 of its brands, the most in 5 years. Being here is a pleasure, but that's also a challenge, because the Chinese client is one of the best informed, one of the most discriminating. I had a chance to talk to Jamet and learn more about the company's China strategy in this critical time. Être ici aujourd'hui, c'est pas simplement être ça. C'est montrer aussi qu'on a confiance en la Chine, qu'on pense que le long terme, c'est pour la Chine, que pendant des décennies encore, LVMH et la Chine ont des choses à dire. Et LVMH, non seulement, mais toutes les marques d'LVMH. Ici, nous avons 14 marques, deux de plus que l'année dernière. Ce qui montre que, véritablement, il y a ici une envie d'investir, une envie de conquérir de nouveaux clients, une envie de montrer de nouveaux produits. Vous avez une clientèle qui est jeune, qui est dynamique, qui est intelligente, qui est digitale. Nous cherchons à lui parler en lui montrant le meilleur de la France, the best of France, montrer du savoir-faire, de l'excellence, de la qualité. C'est ce que nous faisons ici et c'est pour ça que Shanghai, le China International Import Expo, c'est vraiment la place où il faut être. LVMH is a large luxury group that contains a lot of brands in jewelry, in handbags, in clothes, different kind of categories. How are they performing here in China? Elles performent très très bien parce qu'il y a une renommée absolument exceptionnelle, mais il y a la conjoncture et la conjoncture économique est moins bonne. Donc je pense que dans un trend qui ne cessera de progresser, il y a des hauts et des bas. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On est plutôt dans un bas, mais un bas très relatif. On n'a plus les croissances à deux chiffres d'il y a 10 ans. On n'a pas le rattrapage de l'après-Covid. Et donc, on est arrivé dans une période plus normale. Et donc, c'est cette période un peu plus normale auquel il faut s'habituer, avec un rythme de croissance peut-être moins important, mais encore d'extraordinaires produits qu'on mettra sur le marché chinois et qui vont captiver les jeunes Chinois. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va revenir à une situation de solidité qui permettra à nouveau au marché du luxe chinois de se développer. Et nous, nous sommes prêts. On développe de nouveaux produits, on développe de nouveaux canaux, on développe de nouvelles boutiques. On va ouvrir dans pas longtemps à Sanya, une chose absolument folle avec Duty Free Shop. On va ouvrir 128 000 m² de surface commerciale. On accueillera 1000 boutiques, 1000 marques. Il faut croire en la Chine. Nous avons confiance en la Chine parce qu'on construit sur le long terme. In your speech, I heard that you mentioned China is very, very important to LVMH. Now, currently, how is it different from the rest of the world? La principale caractéristique de ce marché, c'est qu'il est jeune. C'est souvent des jeunes gens, parce qu'il y a aussi des hommes qui achètent du luxe en Chine, ce qui est aussi une spécificité du marché chinois, de moins de 35 ans. La deuxième spécificité, c'est qu'il est numérique, il est digital. Ici, on utilise le numérique pour une plateforme, pour un réseau, pour un paiement, pour une information, à n'importe quel moment. Et ça, c'est véritablement, la Chine est un laboratoire pour nous. On apprend à se servir du numérique, on apprend à se servir du digital en Chine, avec tous les accords qu'on peut passer. Un accord avec Tmall, un accord avec Alibaba. On travaille véritablement avec ce qui fait la force de la Chine. Et à VivaTech, qui est le grand salon qu'on organise à Paris sur les startups, on voit très souvent arriver des entreprises chinoises, des startups chinoises qui sont incroyablement innovantes et souvent qu'on attire à nous. Et donc cette intelligence chinoise du digital, elle va travailler avec nous qui avons l'intelligence de la tradition et de l'innovation, mais dans nos métiers qui sont des métiers d'art et d'excellence. Will you visit China like more frequently in the coming year?
Moi, je vais déjà beaucoup en Chine, je suis allé 75 fois en Chine, mais mon patron, M. Arnaud, Bernard Arnault, l'homme qui a fondé ce groupe, l'homme qui le dirige, l'homme qui a la vision de ce groupe, il est en Chine 3, 4, 5 fois par an, et sa famille, puisque c'est un groupe familial, et bien évidemment, elle aime la civilisation chinoise. Donc très souvent, nos dirigeants, très souvent, nos artisans, très souvent, nos artistes, très souvent, nos directeurs artistiques sont en Chine. S'inspirer de la culture chinoise en la respectant, apporter la culture française en la proposant. Il n'y a pas d'obligation, c'est une coopération. La culture française, la culture chinoise, beaucoup de voyages, LVMH au milieu. The rapidly changing appetite among young consumers and fast-evolving online economy have come as a double-edged sword for most companies in China's retail world. So the next task is to keep up with that trend, based on the awareness.